Hello everyone, it's a real pleasure for us to welcome you for this 27th Etude.ci webinar. In a few minutes, we will welcome our speaker of the day. Bon, écoutez, on ne va pas s'en sortir si je continue en anglais, parce que moi aussi je suis en train d'apprendre. On va donc faire ce webinaire-là en français, mesdames et messieurs. Soyez tous la bienvenue à ce 27e webinaire d'Etude.ci. Ce sera pour nous un grand plaisir de recevoir notre speaker, notre conférencière de ce jour. Eh bien, elle est déjà connectée et nous vous demandons de vous connecter très rapidement, de partager également ce direct parce que le sujet que nous allons voir développer notre conférencière aujourd'hui, il est tellement important qu'il faut être généreux. Il faut donc partager le lien, l'envoyer dans des groupes WhatsApp, Telegram et inviter nos amis à nous rejoindre parce que on va parler de la langue anglaise, la pratique de la langue anglaise. Donc le thème de ce 27e webinaire, c'est le suivant. Comment intégrer l'anglais dans sa carrière professionnelle et en faire une opportunité. Voilà. Et donc, nous avons avec nous aujourd'hui Pini. Voilà, je vais donc m'atteler à vous présenter notre conférencière avant de l'introduire. Bini Bintou Cissé, c'est son nom. Donc, ça donne BBC. Bini Bintou Cissé, BBC comme le média anglais, ça tombe bien. Elle vit actuellement en Angleterre. Elle y est depuis plusieurs mois. Elle m'a soufflé tout à l'heure qu'elle sera en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et nous, on a la grande opportunité de la voir avec nous pour 1 heure. Et donc, on va tous en profiter. Bini Bintou Cissé est une passionnée des enfants et des filles. Après une expérience professionnelle, elle décide de s'engager dans le domaine humanitaire afin de faire sa part pour changer l'Africain. Elle décide donc de s'investir dans l'éducation et la prise en charge des filles en situation vulnérable. Elle lance EWA, EWA, une association qui se veut une lucarne pour l'autonomisation de la jeune fille africaine. Avec son équipe, Bini se bat chaque jour afin d'apporter le sourire à ces familles n'ayant plus d'espoir. Son objectif à long terme est de favoriser l'autonomisation des filles en développant leur leadership et en leur permettant d'avoir au moins le bac avant de se lancer dans la vie active. Donc, elle est aussi du programme YALI, donc ce fameux programme américain pour les jeunes d'Afrique. Yali Mandela Washington Fellowship, initié par l'ex-président Barack Obama, un programme qui lui a valu un séjour aux États-Unis pour une formation leadership. Au niveau professionnel, il faut savoir que notre speaker de ce jour est professeur d'anglais. Ça tombe bien, puisque nous allons parler de l'anglais aujourd'hui. Elle adore transmettre la connaissance. Son rêve, c'est de voir tous les francophones, donc vous et moi, devenir bilingues. Car pour elle, l'anglais ouvre des portes. Elle travaille avec 65 professeurs aujourd'hui, plus 5 assistantes, afin de promouvoir l'apprentissage de l'anglais partout en Afrique. Voilà, 65 professeurs et 5 assistantes. Elle réside actuellement, comme je l'ai dit tantôt, au Royaume-Uni, dans le cadre de sa formation en TESOL, au bout de laquelle elle sera apte à aider tous les professeurs d'anglais à améliorer leur technique d'enseignement, peu importe le pays dans lequel ils se trouvent, afin de rendre leur différents apprenants parfaitement bilingues. Un réel plaisir pour nous de la recevoir et un réel plaisir également pour elle de partager un peu de son temps avec nous. Mesdames et messieurs, soyez encore une fois la bienvenue. Nous sommes sur Etude.ci au 27e webinaire et ensemble, nous allons découvrir comment intégrer l'anglais dans sa carrière professionnelle et en faire une opportunité. Est-ce que Bini est avec nous actuellement? Bonjour Bini. Bonjour à vous, comment vous allez? Comment tu vas Bini? Je vais super bien, et vous? Bonjour. Toujours avec le sourire. Alors dis-moi, est-ce que le sourire que tu affiches tout le temps, c'est quoi? Tu l'as depuis ta tendre enfance ou bien c'est simplement du marketing? Parce que je te vois toujours sourire. Toujours avec le sourire aux lèvres. Alors, pour moi, nous n'avons qu'une seule vie. Et tant qu'on peut, il faut sourire à la vie. Il faut sourire même quand on souffre.
Parce que pour moi, le sourire guérit, le sourire apaise l'âme. Et je pense que cela me connecte plus aux gens. Les gens se disent, par exemple, que Bini, peut-être elle est chef d'entreprise, elle doit être fermée, mais vous voyez que quand vous souriez, vous montrez aux gens qu'ils sont simplement les bienvenus. Bien sûr, et c'est tellement affable qu'on se sent tout de suite à l'aise avec BBC. Alors, Bini, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te tient vraiment à cœur, un sujet pour lequel tu es actuellement dans le froid, un sujet pour lequel tu es actuellement dans un pays étranger où tu te prives de beaucoup de choses qu'on peut avoir au pays pour nous permettre à nous autres de profiter. Alors, je veux savoir ton histoire avec ta marche avec la langue anglaise, ça part de quoi déjà? Est-ce que c'est depuis l'école primaire? Est-ce que c'est depuis ta tendre enfance? Comment est-ce que ça s'est passé, ta rencontre avec l'anglais et ta marche avec elle jusqu'à aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup, Jaoun. Merci pour la présentation. Elle fut très brillante. Et merci Merci aussi de infiniment. me recevoir. C'est vrai que je déteste les conférences. C'est vrai que chaque fois que quelqu'un a besoin de moi, je refuse. Parce que pour moi, je ne suis pas encore arrivée. Mais j'ai accepté volontiers parce que je me suis dit, mais c'est waouh, et c'est une première sur ma page, en fait, pour être Ouais, sincère. Et d'accord. déjà, moi, pour ceux qui sont allés à l'école avec moi à Bondoukou, ils savent que j'étais la meilleure à l'école. Et j'ai eu le bac à Bondoukou et j'ai été orientée comme ça au département d'anglais en pensant que j'allais faire le droit. Bon, Oh. j'étais déjà très bonne en anglais. Donc voilà, c'était facile pour moi de m'intégrer. Mais je tombe dans un monde qui est bizarre et bidon, le domaine universitaire. Waouh! Ça dit que tu te rends compte que le petit anglais que tu parlais en terminale là, C'est mais pas la même vraiment, ça chose. n'a rien à voir avec ce qui se passe au département d'anglais. Et OK. s'il y a des personnes du département d'anglais qui regardent ce live là, mais je vous assure qu'ils vont commenter. Vraiment, les personnes qui suivent le live, si vous avez fait le département d'anglais, vraiment, levons nos mains parce que vraiment, nous qui avons tenu, je vous assure que c'est un miracle. Ah, Et nous, c'est c'est comme ça. chaud là-bas. Non, mais c'était chaud. Mais ils vont commenter, vous allez lire les gens qui ont fait le département d'anglais. Mais c'était chaud. La première année, plus de 1 400 personnes dans un amphi. Deuxième année, Wow. un coup, on devient 800. Troisième année, un coup, on devient 50. Master, on est 20 dans la classe. Wow. Donc, imaginez. Donc, quand tu finis le département d'anglais et que toi, tu as le master, je pense que vous voyez un peu le truc, tellement que c'était Ouais, compliqué. Et très nous, c'est le deuxième sélectif. environnement. Oui. Et c'est de là, en fait, qu'est né mon amour pour l'anglais. C'est vrai que j'aimais l'anglais depuis des années parce que j'ai eu un très bon professeur en classe de sixième. Mais je veux dire que tout est parti dès l'université. Mais ce qui est bizarre, ce que vous ne savez pas, c'est que jusqu'en licence 3, je ne parlais pas anglais. Ah bon? Ah bon, voilà. Ceux qui ne Couramment? savent pas. Jusqu'en Ok. licence 3, je ne parlais pas couramment l'anglais. Ok. C'est-à-dire que les gens qui disent que mon oreille est dure, là, retenez que l'oreille de Bini, c'est 500% dure que le vôtre. Non, mais Bini, je ne pense pas que tes oreilles sont plus dures que les miennes. Hein, parce que pour moi, là, est-ce qu'il y a du dû même? Je dis, Donc. c'était super compliqué et je vous assure que j'étais très bonne à l'écrit, comme ce que les gens disent là. Et le parler, j'avais peur de parler. Mais c'est fou en fait, parce que quand vous écoutez les autres parler, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais bien produire pour qu'on puisse m'écouter? Et donc, la peur fait que tu gardes ça en toi jusqu'à ce que j'aie la chance d'être retenue pour le YALI. Donc, bon, pour ceux qui ne le savent pas, le YALI, c'est un programme initié par Barack Obama qui forme les leaders. Et je vous assure que c'est ça qui a été le déclic. Aller aux États-Unis, vivre avec 25 personnes de différentes nationalités et réussir à les comprendre, vous convenez avec moi que tu te rends compte que, ah, mais d'où j'avais ce potentiel, ah, mais d'où je pouvais parler, parce que tu te retrouves dans un environnement où tu es obligé de parler et tu te rends compte qu'en réalité, tu as des aptitudes, en fait. C'est juste que tu avais juste peur de te lancer. Justement, Bini, alors la notion d'environnement me paraît très importante. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut apprendre véritablement l'anglais en demeurant
permanemment dans un pays francophone. Est-ce que c'est possible? Pour Très, ton très, exemple? très, très, très belle question. Oui. Je suis la preuve. J'ai appris l'anglais dans un environnement francophone sans savoir que j'étais forte. Il a fallu que je me retrouve dans un pays anglophone où j'étais obligée de parler la langue et j'ai vu que j'avais tout en fait. Donc, on se retrouve dans un environnement francophone parce qu'on n'est pas obligé de parler la langue, on emmagasine tout. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on emmagasine tout. On écoute les choses, on écoute tous des trucs en anglais, on retient des mots, mais on ne sait pas qu'on est en train de devenir bien. Et donc, lorsque D'accord. vous arrivez dans un environnement anglophone, quand vous êtes obligé, c'est là que vous vous rendez compte que, ah, donc je bossais. Donc, voilà, Ah, c'est un peu ça. Donc, donc je peux parler l'environnement comme est... ça. Ah, donc je Déjà, peux je peux parler comprendre. comme ça. Effectivement, donc c'est parce qu'il n'était pas serré qu'il ne parlait pas. Ouais. Vous voyez, donc l'environnement, c'était primordial, mais pour dire aux gens, on commence quelque part. On commence dans notre domaine, on commence dans notre environnement. Et du coup, quand on est obligé de parler, les mots, ça sort comme ça sort. Parce que de toute façon, t'as pas le choix. D'accord. Alors, Bini, en combien de temps une personne peut s'accommoder à la langue anglaise, peut la pratiquer? En combien de temps, si on doit voilà, l'évaluer dans le temps? C'est-à-dire que si je commence à Merci. apprendre l'anglais aujourd'hui, en combien de temps est-ce que je peux la pratiquer couramment? OK. De mon expérience, donc ça fait déjà 6 ans que nous formons des personnes en anglais. Et nous avons remarqué que pour un débutant, il faut au moins un an de formation. D'accord. C'est-à-dire 6 mois. Vous faites une pause d'un mois et vous revenez faire 6 mois encore. C'est-à-dire que pour acquérir les bases, les vraies bases, et passer par exemple du niveau débutant au niveau pré-intermédiaire, il faut au moins 6 mois de formation. Donc pour le débutant qui veut quand même parler, hein, il lui faut un an de formation. Donc D'accord, un an de c'est pas un mois. Comme ce que les gens pensent. Les gens pensent que, OK, en un mois là, en un mois, on appelle ça recyclage. Ok, d'accord, merci infiniment. Alors, il faut donc se donner du temps pour apprendre cette langue-là qui nous permettra d'avoir accès à de nombreuses opportunités. Bini, je pense que tu as un PowerPoint à nous présenter. Donc, nous allons te permettre de déjà l'ouvrir, le développer afin que nous puissions en apprendre davantage. Nous sommes tout ouïes et nous suivons comme des élèves en classe. Allez-y, madame le D'accord. professeur. D'accord. Dans quelques instants, je vais uploader simplement mon PowerPoint et nous allons commencer. Et je suis sûre que vous allez adorer. Donc, pour les personnes, je pense qu'ils ont des questions, qu'elles s'apprêtent. Oui, il y a déjà des questions hein, qui fusent de partout. Hein. Donc, tu seras bombardé aujourd'hui de questions. Après ta Ah bon? présentation, après ta présentation, je vais D'accord. m'occuper de te transmettre les questions et puis tu prendras le plaisir de nous répondre. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, je vais share screen. Et Bon, voilà. déjà, nous voyons afficher à l'écran un élément, hein. C'est la technologie. Qui Donc, suis-je? c'est la technologie. D'accord. Donc, j'essaie de... Est-ce que déjà, vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien le PowerPoint. Je vois déjà qui suis-je, Binou, Bini, Bintou Cissé, Manager Bet. À D'accord. l'écran, ça Déjà, apparaît. je vais essayer de mettre Reading View. Like this, c'est bon? C'est bon comme ça, vous voyez bien? Oui, on voit. Super. Donc, est-ce que je peux commencer comme ça? Bien sûr, tu peux démarrer. OK. D'accord, super. Donc déjà, merci, merci, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne savent pas qui je suis, alors appelez-moi simplement BBC. Je suis Bini Bintou Cissé. Tout le monde m'appelle Bini et je suis manager des cabinets Bini's English Training. Et voilà, j'aime dire manager comme ça. Je n'aime pas trop CEO ou whatever. Et parce que je pense que je ne suis pas seule. Et je dirige simplement une merveilleuse équipe de plus de 65 professeurs, dont 5 assistantes. Et nous essayons véritablement de révolutionner le domaine de l'enseignement de la langue anglaise, langue seconde, en Côte d'Ivoire et notamment en Afrique. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'anglais autrement
Et j'ai la lourde tâche de vous expliquer comment vous pourriez intégrer l'anglais dans votre carrière professionnelle et en faire une opportunité. Alors, English and Professional Career. Déjà, moi, j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui sont en train de suivre ce live. Alors, Yannick, si tu me permets, Oui, je suis je là, veux Bini. dire. Ok, donc si je veux dire simplement aux gens de ne pas apprendre l'anglais. Et je vais leur donner cette raison pour ne pas que ces personnes apprennent l'anglais. Donc, OK. si vous me suivez, merci de ne vraiment pas apprendre l'anglais. Et je vais vous donner cette raison pour ne pas que vous appreniez l'anglais. Ah, d'accord, Alors, OK. voilà. Donc, s'il vous plaît, n'apprenez pas l'anglais parce que l'indépendance est le dernier de vos soucis. Oui. Nous avons presque 200 000 followers. Merci les gars de ne pas apprendre l'anglais parce que l'indépendance est le dernier de vos soucis. Donc, nous avons des personnes comme ça qui se plaisent, qui vont à l'aéroport dans un pays anglophone, qui ne peuvent pas parler anglais et qui aiment demander là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez traduire pour moi? Est-ce que, voilà, ces personnes-là ne veulent pas être indépendantes, quoi. Ça leur plaît de toujours demander de l'aide. S'il vous plaît, traduisez ça pour moi. OK, je ne comprends pas mon flight ticket. Voilà, il y a des personnes comme ça. Elles vont dans un supermarché en Amérique ou bien aux États-Unis, whatever. Elles ne parlent pas anglais et elles veulent toujours demander de l'aide. Donc, vous n'aimez pas l'indépendance, s'il vous plaît, n'apprenez pas l'anglais. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, n'apprenez pas l'anglais, s'il vous plaît, parce que vous vous plaisez dans votre entreprise actuelle et vous rêvez de rester à la même position. Vous voyez, vous rêvez de rester à la même position. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce gars-là ou cette dame-là qui se projette dans le futur. Vous vous dites que voilà, j'ai un bon poste, je suis payé à 400 000 ou 1 million, ben ça suffit. Dans 10 ans ou dans 20 ans, personne ne voudra de moi dans son entreprise. Voilà, c'est mon rêve qui est accompli là. N'apprenez pas l'anglais. Voilà, parce que vous n'en avez pas besoin dans votre entreprise actuelle. C'est bon? N'apprenez pas l'anglais, les gars. Troisièmement, n'apprenez pas l'anglais parce que vous ne voulez pas être compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà, pour vous, l'anglais n'est pas important. Voilà, votre ethnie est plus importante. Bon, moi, je suis Yakuba. Voilà, donc mon ethnie est plus importante. Donc, je n'apprends pas l'anglais parce que vous ne voulez pas être compétitif sur le marché de l'emploi. Vous êtes déjà fort. Voilà, vous êtes déjà un expert comptable. Vous n'avez pas besoin d'anglais. Vos 500 000 vous suffisent. C'est bien. N'apprenez pas l'anglais, les gars, parce que vous voyez, vous ne, disons, vous ne rêvez jamais de quitter votre pays. Vous voyez, on a des personnes, par exemple, qui mettent souvent sur la page ou bien partout en Afrique, ben voilà, je sais pas comment je vais dire ça, c'est de, comment ils appellent ça? Je sais pas, Yannick, si tu as le mot. Ils disent que voilà, c'est l'Occident qui nous impose une langue, là. Oh Voilà, non, c'est pas oh non, bien, non. il faut, voilà. Je ne sais pas si tu vois un peu, ils disent Ouais, valoriser votre culture. les langues locales, c'est ce qu'on doit parler. Vraiment, voilà. Voilà. C'est Il faut ça, valoriser s'affranchir votre langue locale. Merci. de l'Occident, ouais, Merci, effectivement. il faut s'affranchir de l'Occident, blablabla. Voilà, vous rêvez de ne pas quitter votre pays, c'est très bien. N'apprenez pas du tout l'anglais. Vraiment, n'apprenez pas. Ah, Bini, Oui. jusqu'à présent, nous sommes toujours à la première page, hein. Ok, alors Jusqu'à que présent, nous j'avance. sommes toujours à la première page, ouais. Nous sommes Ok, toujours sur la présentation. alors que j'avance. Alors c'est bon? Non, ça c'est toujours la première page. Donc, ce que je propose peut-être, c'est de retirer carrément le PowerPoint et de revenir et de le remettre encore pour voir Ok. si ça va Donc, s'afficher. c'est bon comme ça, vous Le temps voyez? pour moi de souhaiter la bienvenue à celui ou celle qui nous rejoint maintenant. Voilà. Là, on voit une autre page, l'anglais autrement. Ok, d'accord. C'est bon comme ça, vous voyez encore? Voilà, là, OK, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, super. Donc, je te laisse welcome Voilà, la personne. non, tu peux y aller, continue. Ok, d'accord. C'est tout de suite, on Donc, est je. concentré. Ok, donc je reviens. Donc, je disais rapidement, je vais vous donner sept raisons, les gars, pour ne pas que vous appreniez l'anglais, hein. Donc, j'ai dit que voilà, l'indépendance n'est pas votre souci. Vous n'en avez pas besoin dans votre entreprise actuelle. Voilà, vous ne voulez pas progresser, hein? Vous voulez rester dans votre entreprise avec 400 000 ou 1 million. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas d'avoir 2 millions, 3 millions, c'est très bien. N'apprenez pas l'anglais, hein? Parce que vous voulez rester dans votre pays. C'est-à-dire que vous voulez rester en Côte d'Ivoire seulement. Vous voulez rester au Bénin ou bien au Burkina ou au Mali. Vraiment, n'apprenez pas l'anglais, c'est pas important, hein? Votre Yakuba ou votre BT, c'est vraiment important. Voilà. N'apprenez pas l'anglais parce que vous, c'est-à-dire
C'est-à-dire que vous êtes médecin, vous ne rêvez pas aussi d'aller à l'étranger pour vous perfectionner dans votre domaine d'expertise. C'est-à-dire, n'apprenez pas l'anglais. Vous allez faire ça en Yakuba ou bien en Djula. N'apprenez pas du tout l'anglais, c'est vraiment pas important. Et n'apprenez pas l'anglais parce que vous ne voulez pas accroître vos revenus. C'est-à-dire que nous, on se bat pour apprendre l'anglais parce que demain, on veut les 10 millions par mois. Mais vous êtes dans votre confort là, ça vous plaît d'avoir 1 million. Allons-y, n'apprenez pas du tout l'anglais. Et n'apprenez pas l'anglais car votre rêve est uniquement de travailler pour des entreprises locales. C'est-à-dire que vous, quand vous priez Dieu là, c'est-à-dire que vous priez Dieu pour rester à la même position. Les gars, n'apprenez pas l'anglais. C'est-à-dire que toi, tu es expert comptable, n'apprends pas l'anglais. Tu es dans les mines et géologie, n'apprenez pas l'anglais. Toi, tu fais mathématiques, tu fais finance, n'apprenez pas l'anglais. Toi, tu es au bureau, c'est-à-dire que ton collègue, il investit pour apprendre l'anglais, il dépense des millions et tu t'assois et tu comptes sur lui. Et puis tu t'assois et puis tu écris des tests. N'apprenez pas l'anglais. N'apprenez pas l'anglais parce que vous voyez, vous ne voulez pas élargir votre réseau. Aujourd'hui, moi, je connais Yannick Jaoun. Demain, peut-être, il sera un grand journaliste, un plus que grand journaliste, en fait, dans le monde. Hein. Et peut-être qu'on va se rencontrer dans une cérémonie là-bas où l'anglais est parlé. Et voilà, on va pouvoir élargir notre réseau ensemble. Mais vous n'aurez pas l'occasion de le rencontrer parce que c'est l'anglais qui me fait le rencontrer aujourd'hui. Voilà, n'apprenez pas l'anglais, c'est pas important. Voilà. Moi, j'ai participé à un programme, hein, et moi, c'est un programme que je conseille à tous les Africains. Un programme initié par Barack Obama, tu ne payes rien, tu vas aux États-Unis et on te forme en leadership civique. Tu ne payes rien, aller-retour, avion, bien, moi, j'étais au Delaware. C'est-à-dire que toi, tu veux participer à ça, tu ne parles pas anglais et puis tu continues à prier à la mosquée ou bien à l'église. N'apprends pas l'anglais, c'est un miracle qui va se produire dans ta vie. C'est-à-dire qu'on va te donner ton passeport miraculeusement. N'apprenez pas anglais. Actuellement, on a une bourse qui coûte plus de 50 millions. Bini a fait. C'est-à-dire qu'il y avait plus de... Je ne me souviens plus combien... Le monde entier a postulé. Ils ont pris seulement 2%. Moi, je faisais partie des 2%. C'est l'anglais qui m'a envoyé ici au UK. Ta bourse, hein? Tu ne parles pas anglais, tu continues à prier. Ne parlez pas anglais. Nous avons le CCIP, un chic programme. Tu vas faire un an aux États-Unis, même 100 francs, tu ne payes pas. 100 francs, tu ne payes pas. Et on te forme dans ton domaine. C'est-à-dire que si tu es journaliste, on te forme dans le domaine du journalisme. Si tu attends, on te forme dans... Tu fais enfant, on te forme dans le domaine des enfants. C'est-à-dire que toi, tu es assis, c'est gré de... N'apprenez pas anglais. Voilà, merci. N'apprenez pas du tout l'anglais. Wow. Merci infiniment à Bini pour cette brillante présentation. Alors, je pense que le message est passé. Le message est passé, Bini. Donc, les gars, n'apprenons pas anglais. Hein? Si on veut vraiment évoluer puis réussir dans notre vie, n'apprenons pas l'anglais. Ah. Un miracle va se produire dans notre vie. C'est ça, hein, Bini? Oui, c'est cela. Alors, merci infiniment. Merci infiniment. Cette manière de transmettre le message, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle réveille la conscience, et je pense que autant que nous sommes ici ce matin connectés à ce webinaire là, nous comprenons très bien que dans tous les aspects de notre vie, il est impérieux pour nous d'apprendre cette langue là. Si notre volonté c'est de vraiment contribuer au développement de notre pays, si tel est que nous sommes vraiment amoureux de l'Afrique et que nous voulons la voir rayonner au plan international, il est primordial que nous puissions apprendre cette langue-là parce que tout se fait pratiquement en anglais. Merci infiniment, Billy. Alors. You're welcome. Et si vous me permettez, je vais ajouter quelque chose, si vous me permettez. J'écrivais un peu sur Chinois HB, et il y avait un autre gars qui s'appelle Ngugi. Je pense qu'il y avait un débat où, je ne sais plus trop entre les deux, je peux me tromper, hein, Chinois HB, je ne sais pas qui... Bon, il y avait un autre auteur là qui disait que quand on utilise l'anglais pour écrire, on montre en fait, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, la suprématie en fait des anglophones sur nos cultures. Et il y a Ngugi qui leur dit, mais si on veut dominer le monde, il faut qu'on puisse bien communiquer. Effectivement. C'est-à-dire que vous décidez d'écrire. C'est-à-dire que toi, tu dis que si tu écris en anglais des bouquins là, c'est de mettre, c'est comme si tu montrais au monde, aux anglophones qu'ils étaient supérieurs à toi. Maintenant, quand tu écris dans ta langue, quand tu écris en, donnez-moi une langue là. Quand tu écris en chinois là, quand tu écris en chinois là, bon, qui lit?
Toi, tu veux parler, tu veux mettre ton identité devant, ta culture devant. Tu veux dire que nous, en Afrique, l'histoire que vous êtes en train de raconter de nous, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais comment tu relates les faits? Tu relates dans ton ethnie. Qui comprend? Qui va Donc, comprendre mon guéri? Qui va comprendre mon guéri là? Mon qui va guéri y a comprendre parlé ton là. guéri? Qui va comprendre ça? C'est ça. Donc pour ceux qui sont, pour ceux qui aiment bien la, je veux dire, les débats instructifs, lisez. Et vous allez voir que apprendre l'anglais, ce n'est pas réducteur. Au contraire, ça vous empower. C'est plus facile quand un anglophone te dit, en Afrique, là, vous êtes ici, par exemple, je vous dis, il a fait chaud, une chaleur qui va, nous, chez nous, la chaleur, c'est à 27, c'est quoi, 27 degrés, non? 26 degrés, généralement, c'est Abidjan? cool. Abidjan? Oui, en, Souvent, oui, Abidjan. on voit à 40 degrés. Hein? Non, 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 Abidjan, c'est 26 degrés, c'est cool, c'est tranquille. Ici, il D'accord. a fait chaud, presque 34, 35. Et donc, nous, on se plaignait, on disait qu'il fait chaud. Et puis, nous disions, mais en Afrique, c'est la chaleur pure. Imaginez, tu ne comprends pas pour contrecarrer ce qu'il dit. Tu fais quoi? Et voilà pourquoi j'aime bien la jeune dame là, comment elle s'appelle, la Nigeria, Chimamanda Ngozi, qui essaie de dire aux gens. Voilà, n'aie pas peur de comment on le dit, de narrate your own story. But for you to be able to narrate your own story, you have to speak the same language as them. And this is what people have to really understand. So you can't just stay just in your comfort zone and just complain that, okay, people are just speaking English for the sake of speaking it. But we have some specific goals that we want to achieve. So if you really want to be strategic and you want to be successful today, regarding the globalizing world we are living in, you need to be able to speak English. And you don't have any choice for that. And this is what I wanted to talk about today. Bon, là, Voilà. je me dis que la passion a pris le dessus, hein. Voilà. Là, si je n'arrête pas Bini, c'est parti pour l'anglais jusqu'à la fin. Voilà. Pensons à nous autres, allons-y doucement. Yannick même, je le mets dedans en même temps pour se Ouais, voir en anglais. me mets le en cours en même temps. Voilà. Merci Bini. Alors, il y a une question qui attire mon attention, qui est posée par Afizlay Osumi Salami, qui demande. Qui dit bonjour à tous, BBC possède-t-elle une page YouTube? Est-ce que tu as des réseaux sociaux qui pourraient nous permettre de suivre ton actualité, tout ce que tu partages au quotidien? Pour être sincère, non. Et je pense que peut-être après ce webinaire-là, je pourrais me faire accompagner par l'équipe de Yannick, pourquoi pas, pour On ma en a besoin. communication. On a besoin de toi, on a besoin de Voilà. t'écouter, de t'entendre Oui. parler au quotidien pour voilà parce que Oui. voilà comme on On dit chez va nous en Côte y d'Ivoire travailler. voilà comme on dit chez nous en Côte On d'Ivoire va tu es bé, tu es bé, donc You're welcome. okay. Il y a Franck Cochi également qui pose une question qui demande est-il possible de faire la formation que vous dispensez ton équipe et toi est-ce qu'il est possible de faire cette formation-là en ligne surtout pour nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays qui ne peuvent pas se déplacer à Abidjan. Est-ce que quelqu'un qui est par exemple à Odienné, à Mankono, à Touba, à Tabou et chez moi à Touleupleu, est-ce que ces personnes-là peuvent suivre les formations en ligne avec ton cabinet? Oui. Et même plus. On préfère le garder pour nous, mais très bientôt, non seulement, vous pouvez faire actuellement en ligne, mais très bientôt, mais vous pouvez faire en présentiel, peu importe où vous êtes. Donc, nous sommes en train de travailler sur plein de projets actuellement. Et D'accord. voilà, vous en aurez des nouvelles, comme on le dit, mais pour le moment, vous pouvez faire des cours sur Zoom, sur Microsoft Teams, sur Google Meet, sur Telegram. Ce sont des vidéos, des cours en visioconférence. Donc, il y a aucun problème pour ça. Si vous voulez un natif, en fait, tout dépend de ta poche. Voilà, si tu as l'argent, tu nous dis le type de projet dont tu as besoin, et puis nous, on te trouve le projet, il n'y a pas de problème. Mais la personne enseigne selon notre pédagogie. D'accord. Et la pédagogie, c'est laquelle? Est-ce que tu peux lever un coin de voile sur comment est-ce que vous enseignez l'anglais pour que elle puisse être facilement et rapidement assimilée par vos élèves? Alors, comme vous le savez, je suis au UK. Et ici, je suis en train de suivre une formation sur comment être un professeur d'anglais international. Et je vous assure que j'ai appris ici comment enseigner l'anglais avec la technologie. Et notre particularité, c'est qu'on met l'humain au devant de tout.
on met le besoin de nos apprenants, comme on le dit, at the core of the training. On met les besoins spécifiques de nos apprenants. On écoute nos apprenants. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais on design des syllabus selon les besoins des apprenants. Et donc, c'est comme si, en fait, l'apprenant nous dictait ce qu'il voulait. Et nous, en tant que l'expert, on essaie d'apporter nos inputs et ça fait un document parfait pour lui. Et donc, d'accord, du coup, donc voilà pourquoi le mois dernier... Pardon? Ce sont vraiment des formations personnalisées pour chaque étudiant. Voilà, c'est-à-dire en fonction de ton budget, franchement, tu peux avoir un coach personnel. Donc, avec le coach personnel, par exemple, tu peux avoir une formation véritablement personnalisée. Comme on le dit, we customize the program based on what you have and your specific needs. Donc, par exemple, vous pouvez aussi travailler dans un groupe, mais on s'assure que on tire compte des besoins, même quand vous êtes un groupe. Et en fait, une autre pédagogie, ce qu'on inclut dans notre pédagogie, c'est que, surtout en ligne, nous faisons pas des cours comme des webinaires. Parce que nous savons que nos apprenants, les personnes qui nous contactent, elles détestent les cours en ligne. Parce que généralement, on les met avec tout le monde. Ils sont 25, ils sont 30, ils sont 50. Et puis voilà, vous êtes à la GT là, et puis vous faites des cours. Nous sommes des groupes de 6 personnes. Et vous voyez, avec 6 personnes et un coach, c'est vraiment de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu es satisfait? Merci. Est-ce que, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais je vais vous dire que nous n'utilisons pas de book. Nous, on n'est pas bookish. On n'est pas, OK, voici le bouquin là, c'est ton programme. Nous-mêmes, on design nos programmes. D'accord. C'est alors, Bini, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que votre centre de formation physique de Marcory est-il prêt déjà? Est-ce qu'il est ouvert? Oui, combien de centres de formation vous avez à... Alors, nous avions 4 centres, mais nous avons eu à fermer le quatrième qui était un joli centre au niveau d'Abata à cause des embouteillages, malheureusement. Mais nous comptons rouvrir le quatrième centre par la grâce de Dieu en mars prochain au niveau de Faya. Sinon, nous sommes pas loin de Sokoté, deux plateaux. Nous sommes à Yopougon, nous sommes à Makori. Donc, nous avons 3 centres pour le moment. D'accord. D'accord. Koulibaly, Kadi, Ruth pose une question très intéressante. Entre le American English et le British English et bien d'autres, quel est le meilleur anglais pour celui qui veut apprendre l'anglais? C'est quel anglais on doit privilégier entre le British, le American? Parce que on voit qu'il y a des gens qui ont un accent british, d'autres ont un accent américain, et d'autres aussi ont des accents libériens, ghanéens, ma brada, ma sisa. Yes, no matter. Yeah, no matter. Okay. Pia wata. Yeah. Yes, can I have a bottle of water? Ici, par exemple, quand tu dis, can I have a bottle of water? Ils vont même pas prononcer le T. Ils vont dire, water, c'est quoi? Water, c'est quoi? Mais bon. Alors, c'est la magie des accents. Ici, on a fait un cours, qu'on appelle le World Englishes. Et vous savez, le World Englishes, en fait, c'est comment chaque culture s'est appropriée la langue anglaise et y a ajouté son identité culturelle. Et donc, moi, je vais répondre à cette dame qu'il ne faut jamais privilégier un accent. Si vous faites ça, vous tombez, c'est-à-dire que, mais lamentablement, parce que l'opportunité qui vient de vous ne sera pas forcément d'un Britannique, ni d'un Américain, ça peut venir d'un Indien, ça peut venir d'un Pakistanais. Voilà pourquoi à BET, nous enseignons tous les accents. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des cours à BET et qui n'a pas encore été exposé à un accent indien. Ok. C'est très important. Maintenant, chacun grandit, on a tous fait l'anglais. Vous avez déjà des aptitudes concernant l'anglais et c'est déjà inné, ça ne peut pas changer. Yannick a commencé à faire l'anglais depuis la 6e. Son anglais là, ça ne va pas changer parce qu'il fait cours avec BET. Parce que c'est déjà là. En 6e, j'ai appris « This is Jack ». Voilà. Voilà, ça ne va pas changer. Donc, voilà le problème en fait, c'est que les gens ont 30 ans, ils ont 28 ans, ils ont 35 ans. Et puis, je vous assure qu'ils rêvent de parler comme des Américains. Mais je vous assure que c'était possible, là. Les Indiens qui vivaient, nous, ici, au UK, c'est qu'ils parlaient comme les Britanniques.
Mais les Indiens, là, ils ne parlent pas comme Britanniques. Même s'ils ont fait 50 ans ici, leur lourd accent indien, par exemple, reste toujours. Et c'est ça qui fait votre identité. Donc, ne privilégiez aucun accent. Si vous vous inscrivez dans un cabinet et puis on vous enseigne seulement anglais, britannique, pardonnez, abandonnez. Parce que D'accord, ça demain, c'est. si vous vous confrontez à un arabe qui parle son anglais, vous n'allez pas piquer. Ça, c'est très important à savoir parce que on se dit que on ne pourra prétendre qu'on sait parler l'anglais que lorsqu'on aura l'accent d'un Britannique ou l'accent d'un Américain. Et ça nous fatigue. Vraiment, merci de nous délivrer de ça. Quel que soit l'accent qu'on aura, le plus important, c'est de voilà, bien Parler parler, correctement. simplement, correctement. C'est Et ça. puis, savoir décoder tout ce qu'un anglophone nous dira lorsqu'on sera en face de lui. Alors, Bini, moi, j'ai une question très simple à poser. Pour celui qui veut apprendre l'anglais, qui part de zéro, c'est quoi? Il commence par quoi, au juste? Concrètement, il commence par quoi? Quelles sont les, je vais dire, les petites habitudes, qu'est-ce qu'il doit faire? OK. Déjà, le problème qu'on rencontre des personnes qui veulent travailler avec nous, c'est elles sont déjà habituées au système traditionnel où lorsqu'on veut parler anglais, on te donne un document de grammaire. Donc, quand elles viennent, par exemple, elles veulent faire des formations, elles s'attendent à recevoir un document de grammaire. Et les mêmes vont s'asseoir et vont dire, ah, moi-même, je n'aime pas la grammaire. Oh. Moi-même, je n'aime pas la conjugaison. Oh. Mais elles attendent un document de grammaire et de conjugaison parce qu'elles sont habituées à ça. Ce qu'il faut faire lorsqu'on est débutant, nous, on enseigne l'anglais par contexte. Je vais vous donner un exemple bête. Je veux que Yannick aujourd'hui puisse me parler de son daily routine, de son quotidien. Donc, je vais demander à Yannick, par exemple, What do you do every day? Parce que je veux lui enseigner le présent. Je ne vais jamais venir devant mes apprenants et leur dire, Today, we are going to teach the present simple. Je ne vais jamais faire ça. Je vais venir, je vais lui dire, Today, we are going to learn about your daily routine. Je vais lui dire, aujourd'hui, on va parler de votre quotidien. Et parce que je sais que je vais m'arranger de sorte à ce que d'ici la fin du cours, il aura appris le présent parce qu'il va dire Everyday. Et quand on dit Everyday, on sait que ce qui vient, c'est le présent. Il va dire Everyday, I wake up at 6. I brush my teeth. I take my bath. Et on va entourer les temps. Et c'est comme ça qu'on va enseigner le présent. D'accord. Et donc, nous partons d'un modèle implicite. Donc, c'est inductive way of teaching. C'est, comment on dit ça même en français? C'est inductif, je ne sais pas. Mais en tout cas, inductive way of teaching. On ne va pas du deductive way où tu viens et puis tu dis à l'apprenant, ben aujourd'hui, on va faire le present perfect. Déjà, lui se rappelle de son secondaire, de son faux professeur, il déteste en même temps. Nous, on vient en mode mystère. L'apprenant ne sait même pas, il sait même pas ce qu'il va apprendre aujourd'hui. Mais quand il finit sa formation, il est content, mais il ne comprend pas. Il s'est dit, ah, il n'a jamais vécu ça. Voilà pourquoi, sur 700 apprenants, on a 650 satisfaits. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui envoie un message, Nasema Winner, qui nous donne un contact. Bini va confirmer. Stéphanie Deschoux. Appelez-le ou appelez le numéro au 07 59 99 70 76. C'est l'administration marketing de BET. Elle s'appelle Daisy Koulibaly. Est-ce que Oui, oui, on confirme? oui, Voilà. Mesdames et messieurs, oui. là vous avez à l'écran, là maintenant, le contact de Madame Daisy Koulibaly, 07 59 99 70 76. Vous pouvez appeler le numéro, c'est l'administration marketing. Du cabinet de Bini, vous appelez et puis vous aurez toutes les informations afférentes à ce que le cabinet fait pour nous apprendre l'anglais. Alors, Bini, il y a une question qui, bon, je vais dire, c'est une digression, hein, elle est posée par Missa, Afi, Lucie, Emmanuela, Déborah. Elle demande, puisqu'elle a entendu, est entendu parler de Yali, elle demande comment s'inscrire au programme Yali et comment est-ce que aujourd'hui ces jeunes-là parlent anglais pourront bénéficier de toutes ces opportunités-là? Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Alors ça, c'est vraiment une brillante question. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un leader né.
Vous savez que je suis une motivatrice, je suis un jeune modèle pour la jeunesse africaine. Et tout ce qui m'arrive, je partage avec la jeunesse parce que je me dis que l'école ne donne pas forcément tout. Il y a l'école de la vie. Et à l'école de la vie, on apprend à prendre des initiatives. Dans les initiatives, là, c'est vrai. On vous dit d'apprendre anglais. Mais quand vous avez anglais, là, ne vous asseyez pas. Vous voyez? Aujourd'hui, j'aime le dire, la vie est difficile, les gars. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, combien de personnes cherchent du travail? C'est-à-dire, nos premiers de classe, par exemple, là, tu causes le premier de classe même là, il a peur même de te dire ce qu'il fait, parce qu'il ne fait rien. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont le doctorat, qui ne font rien. Ce que moi, je vais dire à la dame et aux personnes qui nous suivent, pendant que vous êtes en train de chercher du travail, faites le bénévolat. C'est-à-dire que tu as anglais et tu as bénévolat. Aidez les gens. Faites des choses gratuitement. Et puis faites-le avec le cœur. Moi, je dis, si tu n'as pas un long bras dans le gouvernement pour t'aider, la nature, Dieu, mettra quelqu'un sur ton chemin pour t'aider. Aujourd'hui, on est en train de faire ce live-là. Personne ne connaissait, par exemple, je dis un truc bête, d'autres personnes connaissaient Yannick. Aujourd'hui, vous connaissez 200 000 personnes sur notre page, par exemple, connaissent Yannick. Est-ce que vous savez, par exemple, l'opportunité que ça peut lui donner, ou bien que ça peut vous donner de le connaître en tant que journaliste? Et parce que ils ont pris l'initiative de faire des choses gratuitement, parce que je ne suis pas en train de payer pour passer sur leur émission. Et donc, ils le font sans penser, ils le font sans rien attendre. Mais demain, quand ça va payer, on va lui dire, ah, toi, tu as Douaou. Mais il ne s'agit pas de Douaou. C'est parce qu'il a créé les conditions lui-même pour aider la jeunesse. Et c'est leur manière à eux de mettre en avant les talents pour qu'ils soient des modèles demain. Ils se sont dit, ah, Bini a un profil, elle peut apporter quelque chose. Donc, créons les conditions pour qu'elle puisse apporter cette chose-là professionnellement. Et aujourd'hui, voilà que ça me donne des idées. Pourquoi pas faire de temps en temps des webinaires? Il faut que les jeunes, en plus de l'anglais, apprennent à prendre des initiatives, apprennent à faire des choses gratuitement. Ce n'est pas dans tout qu'il faut recevoir l'argent en retour. Et ça, les gens n'ont pas compris. Et voilà Effectivement. pourquoi, quand tu fais tout ça, quand tu emmagasines tout ça, tu tapes les poteaux. C'est des poteaux là, les programmes américains là, ont besoin. Et quand tu tapes les poteaux, par exemple, tu partais dans un village, vous n'êtes pas là, vous avez économisé, vous partez dans un village pour aider un enfant ou bien un truc, et puis vraiment, vous avez dormi sur la route. Quand tu vas postuler au Yali, tu vas expliquer face à cet échec-là comment tu as réagi. Et c'est en ça qu'on voit combien de fois tu es résilient en tant que leader. Aujourd'hui, les personnes qui participent aux programmes internationaux ne sont pas des personnes qui sont extraordinaires. Ce sont des personnes qui ont une histoire à raconter. Elles n'ont pas que l'anglais. Je Elles ont confirme. vécu des choses, elles ont vécu des frustrations. Elles ont appris, par exemple, de certains stages. Elles pourront partager avec les gens, par exemple, que ah, j'ai fait 2 ans de stage sans être payée. Mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Tu mets ça en avant. À la jeunesse, à l'Afrique, à mes frères africains, j'aimerais vous dire, apprenez l'anglais, certes, mais soyez des bénévoles, prenez des actions dans vos différentes communautés. Faites des stages, acceptez les 60 000 et apprenez. Demain, là, vous allez emmagasiner tout ça et vous allez pouvoir vous vendre. Pourquoi pas à l'extérieur? Et à l'extérieur, c'est plus facile parce que vous pouvez postuler. Yali, là, quand tu as ça comme ça, c'est une ouverture pour le chevening. Quand tu viens ici au UK, toi, mais c'est quand tu as reparti, tu n'es pas pauvre. Hein? Je vous dis. Tu reviens au UK, quand tu finis, si on t'a rien payé par mois, c'est 2 millions. Parce que tu n'as pas fini au UK, puis tu vas partir pour qu'on te paye 300 000. Parce que c'est que ton CV devient très lourd. Sois stratégique. Merci infiniment. Bon, il y a quelqu'un qui dit ici, Abi Kwasi Christian Bado, qui dit, elle est pure. Et effectivement, ouais, effectivement, ça, le webinaire prend une autre dimension, ça va au-delà de la pratique de la langue anglaise. Ça, c'est vraiment un récital sur le leadership. Merci infiniment, Bini. Je savais que ce webinaire-là serait de qualité, puisque je te connais, je sais quelle est ta profondeur, je sais, et vraiment, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que je suis fier que Bini soit ivoirienne, et crois-moi, tu as... Oui, bien sûr, c'est quelqu'un a écrit ça quelque part, là, j'ai pas... Merci. Et nous sommes très fiers de t'avoir, Bini. Alors, quelqu'un d'autre pose une question que je trouve pertinente. Romy Décomi,
Il nous dit quel est l'avenir de l'anglais, vu que les Chinois dominent quasiment le marché mondial. D'aucuns disent que le chinois pourrait remplacer l'anglais. Qu'est-ce que Bini pense de cette assertion? Alors, moi, je pense que c'est faux, hein, parce que vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les Chinois se battent pour apprendre l'anglais. Vous ne pouvez pas comprendre. Actuellement, même quand on vient ici au UK dans les salles, mais je suis désolée de le dire, mais ça fait pitié. Dans les salles, les Chinois, ils ne piquent pas. Au cours, ils ne piquent pas. Et donc, c'est vrai que vous pensez que le Chinois va prendre le dessus, mais l'anglais est déjà universel, en fait. Le Chinois est sur le chemin. Mais à quel moment le Chinois va rattraper l'anglais pour que les deux soient universels? Là, ce sera vraiment compliqué. Parce qu'eux-mêmes, ils se battent. Quelqu'un se bat pas en tant que tel pour apprendre le chinois. C'est maintenant que les gens sont en train de le faire. Mais l'anglais, dès que tu nais, tes parents même commencent à te dire, mon fils apprend anglais. Donc, Et non, moi, mais il faut être c'est très discipliné. clair. Je vois des. Même ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quand on rencontre un Chinois qui ne sait pas parler le français, automatiquement, c'est l'anglais qu'il parle. C'est l'anglais qu'il Effectivement. parle. Voilà. Quand Effectivement. tu vas dans un pays étranger, par exemple, tu vas en Corée du Sud, Oui. tu parles français, le Sud-Coréen, il parle coréen. Lorsque vous devez échanger, c'est en anglais. Voilà. Donc, je pense Automatiquement. que l'anglais, c'est établi. Ça va. Faut que ça quitte là, vraiment, ça sera compliqué. Vraiment. Ouais. Merci infiniment, Bini. Alors, les questions continuent d'affluer, puis des messages vraiment d'admiration, de remerciements. Voilà, il y a Freddy Nguema à Logo qui nous dit par exemple, on t'attend au Gabon, Bini. Et donc, ça, oui, je pense que après ce webinaire-là, Bini, tu devrais vraiment, faut pas nous laisser comme ça. Il faut Non, vraiment. mais y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. C'est parce Voilà. que, comme on le dit, je ne vais pas être talkative. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. En fait, peu importe où vous êtes en Afrique, vous allez pouvoir faire des cours. Ne vous inquiétez pas. On travaille sur des projets. On travaille sur D'accord. beaucoup de choses. Donc, ne vous inquiétez même pas. D'accord. Et puis, il faudra aussi penser à sillonner l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Voilà. Aller donner des séminaires, des conférences. Franchement, je te le dis, beaucoup de jeunes ont besoin d'entendre ce que tu es en train de dire là, partout en Oui, Afrique. Et oui. voilà, ça ne va que Et renforcer. c'est vrai, je vous promets, hein, dès que je reviens au pays, le premier pays où je vais partir, c'est au Burkina. Je vous Ah, assure d'accord. que je vais partir au Burkina, je vais partir au Togo, je vais partir au Bénin, je vais partir au Mali. Et non seulement je vais rencontrer des professeurs, mais aussi je vais rencontrer la jeunesse. Parce qu'il faut que les gens comprennent, comme je le dis, que la situation sociale de tes parents ne définit pas forcément qui tu seras. Bini vient d'une Effectivement. famille qui n'est pas forcément aisée. Mais si aujourd'hui Bini a réussi jusqu'à la 65 pour ça, jusqu'à l'entrée de travailler sur certains projets, quand ça va faire bim, vous allez vous dire, ah, elle n'a pas de doigt ou elle ne dort pas. Bini se réveille. Bini dort à 2 h du matin. Bini se réveille à 5 h. C'est-à-dire que on se dit qu'il y a un temps de sommeil. Tu ne peux pas avoir anglais puis t'asseoir. Parce que l'anglais, en fait, l'anglais vient avec des opportunités. Donc, dès que tu es anglais, pense à plein de choses. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais vous donner un exemple. Il y a des conférences là qui disent, par exemple, que pour que les jeunes puissent réussir aujourd'hui, il faut qu'ils aient un mindset anglophone. Moi, je dis non. Moi, je dis non. On peut avoir un mindset francophone, mais on est conscient qu'on ne peut pas s'asseoir pour tendre la main. Il y a des gens, je vous dis, qui parlent anglais, qui disent, Hi, Bini, tu dis, on n'a qu'à parler anglais, non. Mais moi, il parle anglais, il ne fait rien. Mais tu ne fais rien parce que tu te prends alors que tu n'es rien. C'est que tu ne fais rien. Parce que toi, tu penses que tu as un doctorat. Et que, alors que tu n'es rien. C'est que tu peux aller travailler, tu peux aller au charbon, comme on le dit. Mais genre, tu te prends. La goût, elle est chic. Elle est chic. Donc, elle ne peut pas être servante. Moi, j'ai été servante. La goût, elle est chic. Elle ne peut pas être nounou. On a été nounou. La goût, elle est chic. Elle n'a pas commencé par les cours à domicile. Toi, tu es qui? En fait, c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils se donnent un genre qu'ils n'ont pas. Tu te donnes le genre alors que le budget que tu as, tu n'as rien. Les gens même qui ont l'argent, eux, ils vont au charbon. Toi, tu es qui? Et tu n'iras pas au charbon. Il faut que les gens sortent de la victimisation. Il faut que les gens sortent de ce truc-là. Non, il faut que tout le monde. Rien ne viendra à toi si toi-même. Vous avez un truc, les chrétiens disent généralement, j'ai oublié. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce n'est pas faux. Dieu, là, il laisse pas ses enfants. Donc, ne t'assois pas à ton anglais. Et puis, tu vas penser que les opportunités vont venir vers toi si tu ne vas pas les chercher. C'est clair, c'est clair. Merci infiniment, Mini. Alors, chaque prise de parole, c'est un comment dire ça? Chaque prise de parole de Bini, c'est une ouverture d'esprit
incroyable. Il y a et Philippe Soma qui pose une question, et cette question-là, elle revient souvent, hein. Il dit, moi, j'aimerais bien comprendre l'anglais, mais n'ayant pas les moyens, j'écoute les audios de Thomas Michel. Qu'en dites-vous? Alors, je profite de cette question-là pour dire également que beaucoup de personnes disent que, bon, j'ai pas les moyens pour m'inscrire, pour apprendre l'anglais, bon, j'ai pas l'argent. Qu'est-ce que Bini répond à ces personnes-là? Alors, moi, je réponds à ces personnes-là qu'elles sont leurs propres sorciers. Je suis désolée. Je vous donne un exemple bête. Nous lançons souvent des cours gratuitement. Je vous promets, nous donnons 2 semaines de formation, 1 mois de formation. Parce que les gens ne payent pas, ils ne considèrent pas la formation. Effectivement, je peux le Je vous confirmer. dis, les personnes qui sont en train de se plaindre, moi, Yannick, je les prends aujourd'hui, je leur donne 2 semaines de formation, je vous reviens et je vais vous dire que ces personnes ont fait un seul cours. Les personnes qui se plaignent, c'est vrai, c'est pas pour vous blesser, mais je vous dis qu'elles ne sont pas sérieuses quand elles ne payent pas. Et c'est comme ça, et c'est dommage. On lance des Dommage. cours gratuits aux 2 plateaux. Je vous assure, on a 5 places aux 2 plateaux qui peuvent contenir 15 personnes ou 20 personnes par salle. Les cours gratuits, 2 personnes. Yopougon, 3 personnes. Makori, 0 personne. Mais faites ça payant, les gens à cours. Faites ça à 20 000 personnes. Faites à 100 000, 150 000, les gens courent. C'est comme ça. Ouais. Et C'est ça, juste des exemples. c'est une vérité implacable. Alors, on a donc pas d'excuses. Insa Kone pose une question intéressante. Comment rester motivé dans l'apprentissage de l'anglais? Parce que je commence aujourd'hui. Généralement, quand on commence l'apprentissage de l'anglais, on est motivé, tu vois. Même quand tu rentres à la maison, lorsque ton frère te dit, c'est comment? Tu réponds en anglais là. Yes, how are Il faut you? I'm taper fine. les poteaux. Pour être OK. motivé, il faut taper les poteaux. C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire. gens, hein, ils ont besoin d'échouer à un entretien pour être motivés. Ils ont OK. besoin de voir une opportunité, par exemple. On dit, oh, j'ai fait minéologie. Ah, on devait payer à 1 million. Hein. Ah, il a raté cette opportunité parce qu'il ne parlait pas anglais. C'est son déclic. C'est sa motivation qu'elle a. Les personnes qui commencent la formation et qui arrêtent, elles ne sont pas serrées. C'est tout. Elles se disent qu'elles ont le temps. Quelqu'un qui est serré, je vous assure, il dort pas même. C'est-à-dire que c'est lui qui poursuit son projet pour dire, hey, pourquoi on n'a pas cours du lundi au dimanche et puis on a cours de lundi, mardi, mercredi. Et puis le projet dit, mais c'est maintenant tu nous mets la pression. Les gens ne sont pas motivés parce qu'ils ne sentent pas le besoin. C'est tout. C'est ça, c'est Lorsqu'ils vrai. sentiront le besoin, ne vous inquiétez pas. Oui, Ne vous naturellement. inquiétez pas. Naturellement. Voilà. D'accord. En tout Donc, cas, pour merci répondre à la question, beaucoup. trouvez ce qui vous motive lorsque vous voulez apprendre la langue. Lorsque vous avez une bonne motivation, lorsque vous avez une raison d'apprendre, alors rien ne vous décourage. Moi, je sais que dans 10 ans, je veux partir aux États-Unis. Je me prépare maintenant pour avoir une base. Et chaque mois, et chaque peut-être chaque 3 mois, je fais un recyclage pour ne pas perdre mes aptitudes. Tant que vous ne trouvez pas le pourquoi vous apprenez la langue, vous allez toujours apprendre ça comme ça dans le vent. Projetez-vous. D'accord. Alors, Bini, moi j'ai une question personnelle. Il y a des. Comment on les appelle? Il y a des applications mobiles qui. Voilà, comme Duolingo, comme. Oui. Qu'on trouve sur Internet, machin, tout ça. Oui. Est-ce que ça peut aider ces Oui. applications mobiles-là? Oui, c'est super bon. Moi, j'encourage. C'est super bon. On a VOA, on a VOA America, où vous pouvez télécharger les podcasts pour écouter tous les jours. Ça développe le listening. Les gens ne sentent pas de l'amélioration quand ils utilisent ces applications parce qu'ils ne les utilisent pas de manière constante. C'est-à-dire qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent son téléphone, il a téléchargé l'application il y a 3 mois, et puis il dit, eh, il y a cette application-là. Ah, on dit, fais un coup. C'est comment on fait? Ou bien Yannick Thierry, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait. Dès qu'il Ça, lance, c'est il ça, rentre, même, il a fait un deuxième coup. Et puis demain, ils disent, ah, maman, il y a Duolingo là, depuis là, mais il n'apprend rien. Pourquoi tu écris ce mot N'y a pas de constance. Et quand il n'y a C'est pas de vrai. constance, et je vous assure, ces personnes-là, par exemple, elles ont Duolingo, elles ont VOA America, elles apprennent tous les jours. Et quand elles viennent faire 1 mois de cours,
on les met deux, on dit, toi, c'est ton ami, il faut toujours causer en anglais, il faut toujours avoir des conversations en anglais, la personne ne fait pas, hein. Elle est chocotte. Il dit, chocolat va tuer les gens. Il dit, malin. The way you guys, you show up while you're not speaking English. Ne veut pas parler anglais nigérien. They are so funny. Like, but it's okay. Comme on le dit, c'est quand vous tapez poteau que vous voyez l'important de l'anglais. Allons-y sur moi. Voilà. Ah, je pense que j'ai un souci de connexion. Hein. Je ne vois plus Yannick. Je suis seule. Voilà, donc, apprenez l'anglais. Nous avons toutes les offres pour vous. Ah, Yannick est revenu. Oui, je suis revenu. J'étais déconnecté un moment, je ne sais pas pourquoi. Alors, Bini, je crois bien que tu as une page Facebook, hein. Bini, c'est ça? La page, c'est Bini. Oui, Bini's English Training. Et j'ai une page personnelle à moi, Bini. Simplement, B-I-N-N-I-E. Voilà, 2-N-I-E. Voilà, donc pour ceux qui demandent comment on fait pour suivre Bini régulièrement, vous avez donc sa page Facebook personnelle, voilà, qui compte actuellement plus de 5000 followers. Et on a également sa page Bini's English Training, voilà, uh-huh. Que vous pourrez également... Voilà, pour en apprendre davantage sur elle. Alors, Bini, on approche allègrement vers la fin, malheureusement. Tout ce qui est intéressant, tout ce qui est chic, on a l'impression que ça ne dure pas. Alors que là, on a bientôt une heure d'échange ici. Et il y a de nombreuses personnes qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Voilà, donc on va bientôt terminer. Il y a Noé Erzoua. Qui dit quelles sont les habiletés qu'un apprenant doit avoir pour continuer à parler l'anglais après avoir fait l'une de vos formations. Bon, après okay, la formation, c'est quoi la suite? Alors, déjà, lorsqu'on apprend une langue, que ce soit le mandarin ou l'anglais ou le français ou whatever, nous avons ce qu'on appelle les habiletés langagières. Donc, on les apprend en fait ensemble. Alors, il y a des personnes qui viennent, par exemple, moi là, je vais développer mon parler seulement écrit là, je suis bon. Tu n'es pas bon. Tu parles rien, tu n'écris rien. Voilà, tu peux être fort, mais tu n'écris rien. Donc, déjà, les habiletés langagières, on les apprend ensemble. Donc, quand vous finissez normalement la formation, normalement, vous devez pouvoir communiquer en anglais. Donc, développer votre speaking, votre listening. Vous devez pouvoir comprendre un peu en anglais quand même. Il faut pouvoir quand même écrire. Ce que tu dis là, il faut écrire. Comme ça, c'est quand je vais t'arrêter, je vais dire, quelqu'un va dire, oh, I'm going to Edinburgh. Tu sauras que le Edinburgh, même s'ils ont dit bra, tu sauras que c'est B-U-R-G qui a la fin H. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça? Donc, il faut savoir écrire. Donc, on a le speaking, le listening, le reading and le writing. Le reading qui t'aide à améliorer ta prononciation. Donc, il y a des gens, par exemple, qui veulent parler comme les Américains, comme les Britanniques et tout et tout. Le rêve est permis. Vous pouvez vous approcher de ces accents-là, mais vous n'allez pas forcément parler comme ces personnes-là. Vous voyez? Donc, ne négligez pas le reading. Parce que le reading va vous permettre d'avoir une très bonne prononciation. Donc, voici les quatre habiletés langagières que les personnes, à la fin de la formation, simplement, comme on le dit, upon completion of your training, you will be able to develop four listening, four skills. Speaking, reading, writing, and listening. D'accord. Bini, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me plaît, c'est que lorsque tu parles l'anglais, pour nous autres qui n'avons pas un très haut niveau, on comprend. Et c'est... Oui. Voilà, ça donne espoir parce que tu sais, souvent, c'est qui déprime, c'est qu'il y a des gens là qui ne parlent anglais. Là. Vraiment, tu ne sais pas, tu ne comprends rien même. Alors très que bien. Toi, voilà, oui. Alors que toi, quand tu parles, on capte un peu. Même si on ne super. Comprend pas tout ce que tu as dit, mais on capte l'idée en fait. Et ça, c'est, pour moi, c'est très important. Et oui, et c'est ce que, merci pour ce point-là. En tant que pédagogue, c'est très important de permettre à la personne qui t'écoute, que ce soit en français ou en anglais, de comprendre ce que tu dis. Et voilà pourquoi tous les jours, j'écris souvent des articles que je mets sur ma page. Je dis en tant que professeur d'anglais, l'objectif n'est pas de mystifier la langue. Parce qu'en réalité, c'est une communication. Et la communication, elle n'est pas one way. Mm-hmm. C'est two ways. So, donc, si ce que tu dis là, tu mystifies et puis on ne comprend pas, mais en quoi est-ce que tu es un bon professeur? Un professeur, il ouvre sa bouche et il parle. Et quand ton apprenant réussit à cerner tout ce que tu dis, mais tu es fier en fait.
Parce qu'au début, il n'était même pas, il n'arrivait pas. Et aujourd'hui, il arrive à le faire. Maintenant qu'il arrive à le faire, l'objectif, c'est de l'emmener à pouvoir parler maintenant correctement. Pas forcément comme toi, mais near your accent. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est très important. En tant que pédagogue, et moi, je pense que c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et voilà pourquoi ils ont fait détester. Nous ont fait détester l'anglais, en fait, quand on était au secondaire. Parce qu'ils mystifiaient. Ils n'ouvrent pas leur bouche pour parler. Les enfants, là. Tu dis dog. Il n'a jamais entendu dog. Et puis, tu dis drog. C'est que tu n'ouvres pas pour prononcer. Tu aggraves l'affaire. C'est ça, en fait. Alors, il y a une question là qui me fait un peu rire. Jean-Marc Nyonfoum qui dit, comment fait-elle pour être toujours joviale? Est-ce aussi l'anglais? Alors donc je vais me confesser. Alors, déjà, Bini est une personne très nerveuse. Voilà. Ok. Je suis une personne super, super giga nerveuse. Ah, ça peut et faire, hein. Voilà pourquoi je dis en fait à mes collaborateurs, si demain vous ne travaillez pas à BET, peu importe le domaine dans lequel vous allez travailler, vous allez exceller parce que vous réussissez à tenir avec mon humeur et mon exigence. Parce que je suis cette jeune, mais je suis un manager super perfectionniste. Et donc, tout m'irrite. Donc, si un apprenant n'est pas satisfait, je suis irritée. Si une entreprise n'est pas satisfaite, chose qui n'est jamais arrivée, je suis irritée. Donc, du coup, les personnes qui sourient beaucoup sont généralement super nerveuses. Et ce n'est pas parce qu'on cache la nervosité, c'est juste qu'en réalité, parce qu'on sourit beaucoup, on se fâche vite. Oui, d'accord, c'est très bien dit. Oumar Stéphane Wango nous dit « Bini English Training est la référence en termes d'apprentissage de la langue anglaise. C'est vraiment incroyable. » Voilà. Et Coralie Angebou nous dit « Bini, je t'admire tellement. » Louis Vera Bitz nous dit « Infiniment, merci. » Il y a beaucoup de messages comme ça. Pépé Lama, moi, je suis béni chaque matin. Voilà, parce qu'il te suit. Merci beaucoup, Bini. Vous êtes une bénédiction pour la jeunesse, nous dit Adeline Saï. Adeline Saï qui dit encore, tu parles un anglais clair, compréhensible et tu donnes envie d'apprendre l'anglais. Voilà. Donc, Bini, beaucoup d'amour pour toi dans ce webinaire-là. Et cet amour-là, nous souhaitons que ce soit vraiment une force pour toi de continuer toujours à t'impliquer dans ce leadership, dans ce don de soi-là, pour nous aider, à saisir des opportunités. Mm-hmm. Alors, il y a Caroline Angebou qui nous dit, Bini, est-ce que tu seras à la journée linguistique? Bon, Bini n'est pas là, elle est en Angleterre, malheureusement. Elle reviendra l'année prochaine, voilà, d'ici l'année prochaine. Oui, mais venez le 1er octobre 2022, vous allez adorer, il y aura tous les professeurs et peut-être que Bini sera en live, qui sait, mais en tout cas, venez, vous allez adorer, vous allez avoir une piscine party, vous allez avoir des débats, en tout cas, en fait, ça sera waouh, c'est vrai que c'est 10 000 francs, mais je vous assure que vous venez avec vos familles, c'est le 1er octobre, hein, donc il y a encore 20 places. Bon, deux jours seulement. Voilà, venez avec vos familles, je vous dis que vous allez venir témoigner. C'est que vous n'avez même pas senti que Bini n'est pas là parce que mes professeurs, là, vraiment, ils ont une énergie que moi, je n'ai pas. D'accord. Et Bini, c'est quoi le secret d'être à l'étranger et de tenir avec autant de maestria son entreprise comme si tu étais là? C'est vrai. C'est vrai. Regarde, tu parles de la journée de samedi comme si tu allais être là, comme si, comme si tu étais habitué. Oui. En fait, parce que j'ai réussi à créer... Je vais dire, j'ai réussi à créer un environnement où les personnes qui travaillent avec moi ont fini par épouser la vision. C'est-à-dire que je suis avec des collaborateurs qui font tout pour ne pas que Bini soit triste. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et quand vous avez ce genre de collaborateurs-là, c'est-à-dire, souvent, je leur dis, vous vous comportez en entreprise, ça c'est pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on atteint ce niveau-là, vous comprenez que tout ne peut que réussir, en fait. Bini n'a pas besoin d'être là pour que les choses évoluent. Bini n'a pas besoin d'être là pour que les entreprises signent avec nous. Plein d'entreprises sont en train de signer avec nous. Moi, je m'assois et puis je dis, this is weird. En fait, c'est un peu ça. Je pense que c'est la rigueur. Quand on passe sur la page, les gens nous trouvent crus.
mais c'est mon identité visuelle. Je suis cash. Et okay. Voilà, peut-être que je vais dévier un peu, mais on ne peut pas faire quelque chose sans créativité, quoi. C'est-à-dire, chacun est lui selon sa personnalité. Je pense que j'écoutais un peu ce que Yannick a fait avec Edith Brou la dernière fois. Chacun a sa particularité. Si toi, tu find pas your uniqueness in whatever you do, c'est fini, en fait. Tu vas être mélangé à la masse. Quand on dit Bini aujourd'hui, que ce soit partout en Afrique, tout le monde sait que c'est la fille qui parle mal là. Et ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas comprendre. Ça me fait mal, hein? Je suis content. Il dit, oui, je suis l'emmerdeuse, je suis la tâcheuse et ça me plaît. C'est mon identité. Voilà. Donc il faut que... et là, il y a Trésor Beda qui dit Bini stresse trop. Mais c'est normal, je la comprends. Elle donne l'envie d'apprendre sincèrement l'anglais. Je stresse tout le monde, hein, que ce soit les professeurs, ouais. Que ce soit les apprenants, que ce soit les assistants. Ouais. Tout le monde est stressé. Et okay. Voilà pourquoi ça donne les résultats en fait escomptés. D'accord. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas là, vous avez raté. Pour ceux qui ne, se connaissent que maintenant, vous avez également raté. Mais ce n'est pas bien grave. La vidéo sera disponible, hein, après le webinaire. Vous pourrez suivre. Okay. Là, nous sommes presque à la fin. Bini, oui. On pourrait passer des heures et des heures à t'écouter. Tu es tellement attachante. Tu es tellement passionnée qu'on ne voit pas le temps passer. Et tu es une bénédiction pour nous. Mais bon, malheureusement, il faudra mettre un terme à ce webinaire-là parce que tu as tes occupations, voilà, et puis toute chose a une fin. Bini, tu vas nous dire ton mot de fin, tu vas nous dire, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire pour résumer tout ce qu'on vient de voir, parce qu'il y a Nadine Abier, par exemple, qui nous dit, pouvez-vous résumer le webinaire pour nous, qui n'avons pas suivi depuis le début. Donc, Bini, pour terminer... Quel pourrait être ton mot de fin? Alors, moi, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes tristes d'écouter des histoires chaque matin à 2h, à 3h, des papas qui pleurent parce qu'ils ont raté des opportunités, des mamans qui pleurent parce qu'elles sont traitées comme des subalternes parce qu'elles ne parlent pas anglais, des personnes qui ont oublié de se projeter dans le futur en oubliant aussi que Dieu bénit quand il veut. Et souvent, la bénédiction, ça vient là, il y a l'anglais dedans, comme critère. Nous sommes fatigués de... Je vous assure, nous sommes fatigués et tristes de voir des personnes qui ont raté le boulot de leur rêve juste parce qu'elles ne parlent pas anglais. Nous sommes aussi fatigués des personnes qui viennent et qui ont besoin d'apprendre l'anglais en un laps de temps. C'est-à-dire que leur pression devient ta pression parce que elles ont négligé ça il y a des années. Alors, mon mot de fin, c'est de dire à quelqu'un, n'apprenez pas l'anglais. D'accord. Et j'espère pour tout le monde qu'on comprend bien le message. Qu'elle n'apprenait pas l'anglais, là. On comprend bien le message. En tout cas, merci infiniment, Bini. Naulo Moussaïeo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le nom de sa page? On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Bini, tout simplement. B-I-N-N-I-E. B-I-2-N-I-E. Bini, simplement. Ouais. Allons-y, nous abonner massivement. Il y a également la page du cabinet. C'est Bini's, c'est ça, English Training. C'est bien cela. Hein? Oui, voilà. Oui, c'est ça. English Training. Le cabinet de référence qui travaille avec toutes les entreprises, les enfants, les adultes, les professionnels. Et on a une pédagogie particulière, vraiment qui impacte de ouf. Voilà. Et moi, j'aimerais faire un big up à tous ces professeurs-là qui travaillent avec Bini, qui au quotidien, je te le disais en off, avant le début de ce webinaire, j'ai de très bons retours. Franchement, oui, bien sûr, sincèrement, je connais des personnes qui sont fait former dans ton cabinet et qui me font un très bon retour, qui me disent que c'est top, la pédagogie, elle est... En tout cas, big up à tous ceux qui travaillent avec Bini, tous ces professeurs, les 4 ou 5 assistantes. Merci infiniment. Vraiment, qui ont tenu malgré le fait que Bini ne soit pas là. Alors, dernière question, Bini. La lecture. Est-ce que tu nous conseilles le e-learning ou bien le... Voilà. Est-ce que... Oui. Alors, moi, je vous conseille, c'est vrai, le e-learning, mais bon, tout le monde n'est pas forcément habitué à lire. C'est vrai, la lecture est importante, mais moi, je suis très réaliste, en fait. Voilà, je sais que les gens sont plus aptes à écouter des vidéos,
de motivation. Vous voyez la vidéo de motivation en anglais là? Écoutez ça beaucoup. Et en fait, le secret, c'est d'avoir quelqu'un avec qui pratiquer. Vous voyez? Okay. Parce que si tu ne comprends rien, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire de bouquin. Ouais, c'est vrai. Donc, écoutez et puis parler. Et tu écoutes et puis tu parles. Voilà, c'est ça quoi. D'accord. Merci infiniment à tout le monde. Bini, ça a été un grand plaisir pour nous, pour toute l'équipe d'études.ci, de t'avoir avec nous pour ces une heure-là d'échange. Et voilà, bon, je suis tellement content que j'ai du mal à te laisser partir. Mais bon, tout de suite, j'en ai fin. Merci à tous nos... J'ai été coupé. Voilà, je suis revenu. Merci Bini, merci à tous nos internautes, tous ceux qui nous ont suivis. Monsieur Ferdinand Beya dit quelque chose de vraiment très intéressant là. Il dit, du haut de mes 58 ans, je vais apprendre toujours l'anglais. Vous faites bien, monsieur. Merci. Nous avons même des personnes de 62 ans qui sont avec nous. Hein. 62 ans. Et je vous assure que grâce à cette émission qu'on a, et je pense que votre équipe va nous accompagner, vraiment, si vous voulez des choses extraordinaires, contactez leur équipe. Ils vont vous faire... Non, mais je pense qu'ils ont compris le message. On a notre nouvelle émission Situation Soyez. Mm-hmm. Et je sais que l'équipe de Yannick va nous accompagner dessus pour que ce soit diffusé professionnellement comme ça. Et vous assure que la situation soyez le genre, le type de situation que les gens appellent pour expliquer l'IA à l'anglais, vous ne pouvez pas imaginer, ça fait pitié. Et c'est ce soir à partir de 20h. D'accord. Donc, rendez-vous pris ce soir à partir de 20h. Ce sera où déjà? Diffusé où? C'est en ligne sur la page et les gens pourront appeler de manière anonyme pour raconter leur histoire soyez avec l'anglais. D'accord. Donc, si vous avez une expérience cocasse avec la langue anglaise, je sais que nous tous, on a eu ça. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous à partir de 20h sur la page Bini's English Training. C'est bien cela. Hein. Donc, connectez-vous et puis n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Ouais. Il mérite d'avoir 15 000, 20 000, 200 000, 1 million d'abonnés parce qu'elle nous fait tant de bien. Donc, merci infiniment à toute l'équipe, je vais dire ça comme ça, derrière la caméra, avec le responsable, le premier responsable d'études.ci, Ismaïla Yokouin, toute son équipe, tous ceux qui ont rendu possible ce webinaire. Et puis, abonnez-vous également à la page d'études.ci. Nous organisons ce genre de webinaire-là régulièrement. Et voilà, donc il y aura un prochain webinaire avec un thème tout aussi alléchant, tout aussi intéressant et utile pour notre carrière professionnelle. Et puis voilà, oui. Bini, merci. Et puis on se dit à très bientôt. Thank you, bye bye. Thank you. Au revoir à tout le monde. Demain sera meilleur. Yeah.